viendrait si les cabales t'utilisaient comme cible. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, gardien, mais nous avons... C'est vous. Nous étions côte à côte pendant que la tour brûlait. Je l'ai mise à jour. Que nous nous retrouvons. Votre avis compte pour moi, Arcaniste. Tout devient plus intéressant quand on ajoute des explosions. Ça sert à rien de dépenser ses sous pour le moment. Je peux toujours pas planer. Eh bien, regardez-vous. Vous avez retrouvé votre lumière. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais... Tant mieux. Parce que nous allons en avoir besoin. Il reste encore beaucoup de survivants au dehors. Et ils ont besoin de notre aide. Nous devons faire savoir que le domaine est un lieu sûr. J'ai envoyé... Ouais, ok, blablabla, blablabla. Hop. Je croyais que tu me donnais l'équipement. Voilà, j'ai pas encore compris comment on fonctionnait. Terminal. Coffre. Coffre, j'ai plus rien. Collection. Prendre. Je récupère tout. Hein. Ah, bah j'ai plus de place. Emblème. Avez-vous besoin de quelque chose ? Ok, emblème 2. Ah, celui-là il est sympa. Mais j'aime bien le... L'oiseau. On va retourner sur l'oiseau. Vous êtes toujours là ? Ranger. Ah, j'ai pas accès aux emblèmes. Sérieux. Ah ok, orangé, orange. Voilà. Y a pas d'autres trucs verts. Bon, ben on retourne. Ah si, il y en a encore là-bas. Commis des postes. C'est en cours. Bah, pourquoi tu m'indiques alors? Les preuves, la terre. Oh non, c'est cassé. Je suis obligé de retourner en orbite, je pensais qu'on pouvait partir direct quoi. Même si vous avez vos pouvoirs, ne prenez pas la grosse tête. La ZME est difficile, surtout aux alentours du village. N'oubliez pas, c'est encore plus dur pour les réfugiés de la cité. Si vous voulez les aider, trouvez des Vrimkay. Ok, on peut faire une boule de neige.
Attends, j'ai fait quoi là? Comment je suis passé? On va comprendre. De la visite. Et je n'ai même pas de thé à vous offrir. Les temps sont durs. Devrim Kay, 8e du nom, à votre service. Ancien du régiment, quand la cité existait encore. À bientôt. Ok. J'ai peut-être pas récupéré coque de la ZDME. Vous souhaitez discuter de quelque chose? Les membres publics y venant. Commencer l'aventure. Allons-y. Il y a une bannière au rez-de-chaussée. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil? Hop. Trouver la bannière, c'est ça, non? Peut-être pas, c'est peut-être juste Il semblerait que les déchus aient amené leur foreuse à l'humaine. Allez voir de plus près. Ça, non, ça c'est pas le bon moment. L'équipe d'extraction de l'humain. Éliminez-les tous. Ok, j'ai fait le bourrin. C'est bizarre, il n'y a pas le niveau. À moins que maintenant il n'y ait plus de niveau, ça s'adapte. Je sais pas. Se dirige vers un autre site. C'est là-bas. Voilà, c'est un événement public.
Ça va être là-bas. Que quelqu'un va me ramener le niveau 25 là. Voilà, merci, c'est cool. Et voilà comment on gagne un niveau facilement. Je me suis fait violer. Pop. Ouh, 37 points. Attends, je vais travailler mieux, mon gars. Ça pop à l'infini ou quoi? Alors. Il y a dedans. La lente. Elle est censée être là. Ah, c'est ça. C'est le sceau de la maison du châtiment. On travaillait avec un déchu qui avait porté cette bannière. C'est curieux. On dirait que les déchus ont installé ça comme une menace. J'imagine que vous allez trouver plein d'objets remplis d'histoires comme celui-ci dans le coin. Pour commencer notre travail dans cette zone, il va nous falloir des ressources. Essayez de trouver une cache dans un des bâtiments à proximité. Ah, j'ai pas débloqué un nouveau pouvoir aussi. Ah ouais, un nouveau type de grenade. Chaque occasion qui se présente. Gardez les yeux bien ouverts pour trouver d'autres ressources dans ces territoires sauvages. En parlant des territoires sauvages, il y a un symbole sur le mur de l'église. Pourriez-vous aller vérifier? Ok. Il me semble que ça c'était une map
multijoueur qu'ils ont utilisé. Il me semble, hein. Ouais, y a certains bâtiments qui me disent quelque chose. Ah bah c'est les grenades solaires, celles-là elles me vont très bien. Ou les grenades collantes aussi j'aime bien. Pour le mode multi. Alors c'est l'intérieur du bâtiment. Ouais, c'est une map du joueur. Les chasseurs de la cité les ont disséminés un peu partout dans la région pendant leur mission de reconnaissance. Je pense qu'ils voulaient indiquer quelque chose de spécial ou de dangereux. Ou les deux. Allons voir. Alors, faut trouver les tunnels. Ils sont là. L'histoire de cette région est fascinante. Je crois qu'il y a des tunnels et des grottes comme ça dans toute la zone morte. Qui sait ce qui rôde là-dessous? Faites bien attention. Ok, je suis obligé d'aller par là. Ah, attends, ça s'explose ça? Hop. Bon, viens ici. Ah, les gouttes de mon pompe. A laissé tomber un code d'accès. Je devrais pouvoir ouvrir sa cache. Hop, c'est mis sniper mis. Et niveau 4. Gardez l'œil ouvert pour voir s'il reste d'autres cachettes et trésors. Mais ça, c'est pour un autre jour. En attendant, il faut qu'on discute de notre plan. Revenez me voir au clocher. Je mets de l'eau à bouillir. Ok. Il a de nouveau sous le soleil. Ah, j'ai pas regardé les pouvoirs. Le planning directionnel. Le planning renforcé. Ok. Je préfère la première.
Ça, c'est bien les petits sauts rapides. Ravi de vous revoir. Cette fois, je vous avais préparé du thé, mais j'ai déjà tout bu. Peut-être que si vous aviez été un peu plus rapide. Ah oui, l'émetteur. Pendant votre bague. À bientôt. Je pense que j'ai acheté un petit peu pour rien, mais bon. C'est pas grave. C'est la mission. Bah de toute façon, autant suivre la flèche blanche plutôt que de suivre les ennemis. En panne. Où se trouve cet amplificateur de signal ? Ok. Retrouver. Notre nouvel ami gardien est en route. T'aurais pas pu lancer la conversation avant et m'indiquer une flèche. Il a enfin reconnu qu'il était âgé. Tu m'as sorti d'un mauvais pas une fois et tu n'arrêtes jamais de me le rappeler. Tu veux dire une fois par semaine? Si j'ai des cheveux grisonnants, c'est grâce à toi. Ouais, ouais, cause toujours, mon vieux. Oh, l'équipement vert pour mon torse. Rebut, 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 rebut. Ce monte-charge devait nous conduire au-dessus des mines. Je suis allé déjà à 40 de lumière.
Ok. Il marche encore ce mont de charge? Il va falloir trouver un autre chemin pour rejoindre Sord. J'ai ma réponse. Faites attention. Les déchus sont des pillards de la pire espèce. Ils se battront pour conserver tout ce que leurs griffes crasseuses ont pu dérober. Par contre, il faudra que je pense à garder un petit peu d'équipement pour mes autres personnages. Parce que je pense pas qu'ils peuvent tout activer, tout porter d'un coup. Je sais pas. Je sais même pas si je conserverai ma sauvegarde une fois que ma période d'essai sera terminée. Ah, j'espère que oui, quand même. Là, je sais pas trop où il faut aller. Mais fallait me dire que tu m'attaquais dans le dos. Hop. Je suis pas passé loin là. Il en reste un. C'est un collecteur. Un rebut. Où c'est que t'es caché? Où c'est qu'il est caché? Où que tu es? En dessous de moi? Hop, viens ici. Arrête de jouer à cache-cache. Ah, vous serez heureux d'apprendre que je peux voir les déchus fuir la mine. Vous avez dû mettre. Attends, j'étais assez éloigné pour éviter la bombe, non? Ouais, je me prends des bombes alors que je suis même pas dessus. Enfin bon, c'est pas grave. Nous avons trouvé un bon charge. Vous êtes doué, presque autant que Louis. Thank you.
recharge ne fonctionne pas. Le courant a dû être coupé. Et nous avons mis des déchets en colère. Voilà. Et regardez ça pour vous. Boucherie. Qui veut tâter de mon épée? Ah, j'ai pas modifié mon équipement moi. Depuis un petit moment. Relativement tranquille pour changer. Ah bah si, je l'avais fait. Ah, elle nécessite le niveau 5, elle nécessite le niveau 5. Non, c'est pas grave, ça va pas tarder. Il y avait quand même la limitation de niveau pour l'équipement. Je risque de la franchir pendant ce petit combat. Hop. Allez, recharge le pompe. Et voilà. Comme papy dans mamie. Ça a marché. Détruire le serviteur a rétabli le courant. Bien joué. Finalement, je vais peut-être avoir mon ampli, un de ces quatre. Alors, il doit rester un collecteur ou une saloperie. Voilà. Rester un. Ah, je suis déçu. C'est bon. Mais c'était sympa de pouvoir tirer sur les ennemis pendant que tu montes à l'ascenseur, ça t'occupe. À part s'il te défonce la gueule. Au centre, nous sommes sortis de la mine et nous nous dirigeons vers vous. Dépêchez-vous avec cet ampli, qu'on finisse de brancher ce réseau de communication. Et merci pour le coup de main. Vous vous débrouillez pas trop mal. Pour un gardien. C'est la chose la plus gentille que j'ai jamais entendu sortir de la bouche de Suraya. Vous faites partie de l'élite, mon ami.
avez réussi. On dirait que Louis a perdu son pari. Très bien. Voyons si cela fonctionne. Bon, si j'ai bien lu le mode d'emploi... Il y a un message entrant. Gardien, la cité est perdue. S'il y a encore des porteurs de lumière dans le système, retrouvez-nous sur Titan. Soyez forts. Gardien, la cité... Zavala est en vie ? Il faut y aller. Vous n'irez pas sur Titan. Des réfugiés arrivent, et nous avons la Légion Rouge d'un côté et les déchus de l'autre. Mais nous avons retrouvé nos pouvoirs. Et si nous voulons reprendre la cité ? Votre cité, oubliez-la. Où sommes ? Non, mais on devrait lui laisser son casque hein, pendant les cinématiques. Vous saurez où Parce que si c'est pour qu'il fasse une tête de cul... Et on peut même pas modifier sa gueule, quoi. Je referai mes persos, je ferai que des femmes, quoi. Vous perdez votre temps. Vous feriez mieux de me tuer. Pour quelqu'un qui se prétend être guide, tu n'es pas très loquace. Apparemment, parmi tes gardiens, quelqu'un a réussi à retrouver sa lumière. Tu dis n'avoir aucun pouvoir sur le voyageur. Et malgré cela, aide-moi à comprendre, guide. La lumière survit n'importe où, dans tout ce qui existe. Vous pouvez la bloquer, l'emprisonner même. Mais elle saura se libérer. Et le voyageur saura se protéger. Le voyageur. Cela fait des années que je l'étudie. Les mondes qu'il a visités. Son pouvoir sur la vie et la mort. Nous ne sommes pas si différents, lui et moi. Vous n'avez rien en commun. Avec le voyageur, rien. Vous croyez être tout-puissant et avoir le contrôle. J'en ai vu des comme vous. Vous êtes insignifiant et vous le resterez. Si le voyageur a réellement choisi l'humanité de son plein gré, qu'est-ce qui m'empêche d'y entrer, d'y arracher la lumière pour en profiter moi-même ? Et de réduire ce système en cendres. Seuls ceux qui sont choisis par le voyageur peuvent renaître dans la lumière. Oui. Ça, je le sais déjà. C'est pour ça que j'ai pris votre planète et que je t'ai gardé en vie. Le voyageur me choisira. Et c'est toi qui vas me dire comment y arriver. Bon ben, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce début d'aventure sur Destiny 2. Je vous laisse ici, et bon, si ce contenu vous plaît... Vous pouvez mettre un pouce vers le haut et sinon vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos sur la chaîne Legend of Geek. Merci.